Bonjour tout le monde, je suis ici avec Myriam qui a pris un rendez-vous avec ton potentiel et nous avons donc passé un peu de temps ensemble pour voir ce potentiel, voir la vision qu'elle porte à l'intérieur et c'était tout un processus. Donc Myriam, je voudrais juste te demander avec pour quelle raison as-tu pris ce rendez-vous? Alors, je suis à un tournant, on va dire, de ma vie professionnelle et avec quelques blocages, beaucoup de peur pour aller de l'avant. Et j'ai sauté sur l'occasion de ce rendez-vous pour avoir un éclairage avec toi. Et est-ce que tu avais l'habitude de prendre des rendez-vous avec des gens ou est-ce que tu l'avais déjà fait avant? Non, je n'avais jamais osé, parce que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que tu dégages quelque chose à la fois de simple, on a l'impression de téléphoner à une copine. Et voilà, et du coup, les barrières sont tombées quand j'ai vu ce rendez-vous. Je me suis dit, ben oui, c'est avec elle que je le veux. Voilà. Est-ce que tu es contente alors d'avoir fait ce pas et de prendre ce rendez-vous? Ah oui, ravi, ravi, ravi des échanges, ravi de ce qu'on a pu voilà, dire, de ce que tu m'as apporté pendant ce rendez-vous. Et je ressors boostée, je ressors, oui, mais voilà, boostée, plus légère et prête à croquer la vie et à aller vraiment de l'avant. Quand tu es venu, donc comme tu as dit, hein, tu te sentais peut-être un peu bloqué ou ouais, avec des doutes ou des questionnements. Et est-ce que par rapport à où tu étais avant et que où tu te trouves maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta perception de ton avenir? La faisabilité, c'est-à-dire que j'étais en train de rêver cet avenir sans trop savoir et en ayant beaucoup de peur. Et là, je repars avec la certitude, je peux le dire, hein, la certitude que ça va se produire, hein, qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas comme je le souhaite et comme je l'imagine. Et ça, grâce à la visualisation qu'on a pu faire. Hein. Wow, c'est quand même puissant, non? Certitude, c'est puissant ça. Tu sens ça, cette puissance que ça te donne si tu dis j'ai une certitude. C'est ce que je ressens vraiment, à la fois une certitude et une certaine légèreté par rapport à l'avenir. C'est-à-dire sans avoir encore travaillé sur vraiment les peurs, les blocages, je sens qu'il y a quand même un cap qui a été franchi. Oui, nettement. Oui, c'est beau. En fait, moi, ce que cette visualisation qu'on a fait était vraiment magnifique parce que chez toi, c'était vraiment absolument clair. En fait, comme je dis toujours, tout est déjà là. Parfois, on a juste besoin d'une sorte de miroir pour se dire, tiens, mais tout est déjà là à l'intérieur. Je sais déjà comment, où je vais. Je sais déjà ce que je vais créer. Je sais déjà quel va être ce chemin. Je ne connais pas encore ce chemin, mais en réalité, je sais où je veux aller. Et chez toi, c'était tellement présent, tellement clair, tellement concret aussi, que c'était vraiment super beau à voir. Donc, je suis très honorée et très contente que tu as pris ce rendez-vous. Merci aussi beaucoup pour avoir bien voulu donner ce témoignage, parce que tu as dit que c'était un peu, ça te mettait la pression, mais je trouve qu'on a très bien fait ensemble ça. Un très très grand merci surtout à toi, Gouton. Vraiment un immense merci. Merci à toi. J'espère que donc on va pouvoir inspirer ici les personnes qui auraient peur de prendre ce rendez-vous avec ton potentiel, de pouvoir le prendre et de vraiment de pouvoir en faire quelque chose maintenant. Toi, je te sens absolument prête à aller de l'avant. Et ça, c'est un cadeau, c'est quelque chose de magique et je sais que ça se passe chaque fois quand on est en cette séance avec moi. Donc voilà, merci beaucoup Myriam, parce que je suis sûre que tu as vraiment donné beaucoup d'inspiration ici aux personnes qui nous regardent. Et je te souhaite le meilleur, beaucoup de succès pour ton magnifique chemin et ta magnifique vision qui va se réaliser dans un an. Toi, tu l'as déjà dessiné, hein? J'ai tout écrit. Et on va voir ça. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Merci.